Hockey boomer est une expression utilisée pour tourner en dérision les attitudes et les croyances de la génération des baby boomers. Face à la critique des jeunes nés autour de l'an 2000, génération Z accusée de refuser de grandir, cette phrase fétiche vient répliquer à ses aînés mieux établis dans la vie, ayant bénéficié de l'insouciance de la croissance des 30 glorieuses et s'accrochant à leurs privilèges dans les domaines de la politique, de l'économie et de l'écologie. C'est surtout à ce dernier domaine, celui de l'écologie, que je raccroche ces deux mots générateurs de nombreux mèmes Internet. En effet, c'est par la parlementaire néo-zélandaise, Chloé Swarbrick, que j'ai rencontré l'expression. C'est par elle qu'elle se popularise dans les médias à partir de novembre 2019. Et c'est bien alors qu'elle intervenait à propos du réchauffement climatique, qu'elle répondit d'un expéditif « Ok, boomer » à un autre parlementaire plus âgé qui cherchait à la déstabiliser. Au-delà d'une seule insulte infantile qui jouerait pauvrement sur la différence d'âge, cette expression me semble exprimer parfaitement l'opposition à un immobilisme méprisant, tel celui des parlementaires français face à Greta Thunberg. La prise de conscience de l'inutilité de poursuivre un dialogue de sourds devant l'ignorance scientifique et l'aveuglement suicidaire face au bouleversement en cours. Hockey boomer me permet de réinjecter un peu d'énergie dans une vision du monde qui pourrait paraître à certains pessimiste. Mon travail de plasticien se nourrit des images de la culture Internet, mais pas nécessairement des plus iconiques. Je cherche à réassembler tout ce qui peut présenter un tranchant ou une forme de poignée, afin de mieux saisir des idées que je puisse sous-peser comme on évalue l'équilibre d'un couteau de lancer ou d'une petite cognée. Les images, aussi bien que les objets, sont ainsi liées ou entrechoquées, selon l'effet survivaliste que je cherche à obtenir, comme un homme perdu sur une île cherche à réorganiser sa survie à partir de fragments de civilisation. Une part de hasard et d'acceptation est nécessaire afin d'être capable de faire feu de tout bois. Et cette recherche est également liée à un territoire, un littoral, sur lequel viennent s'échouer seulement certaines épaves, comme à Arles la figure du peintre Vincent Van Gogh. Cette exposition retrace donc la façon dont j'utilise une forme de récit et la manière dont circule un fleuve de langage souterrain à travers les œuvres. Ce ne sont pas de vraies histoires, mais plutôt des préhistoires, des commencements possibles devant des œuvres qui sont largement heuristiques, déclencheuses de paroles et d'échanges de savoir. Au croisement de la survie dans la nature et de ses mythologies à demi-mot, j'ai trouvé intéressant de me remémorer des images de l'enfance, celles des illustrateurs hyper-réalistes des livres sur la vie des hommes préhistoriques. Dans deux des plus grandes toiles, je viens ainsi relire ces anciennes compositions, celle du choc des silex et celle du chasseur-cueilleur. Dans la salle centrale du château d'Assas, le terme « hockey boomer » apparaît ainsi nettement, mélangé à la thématique du masque de gangster. Dans l'aile gauche, de petites peintures sur papier, une collection d'objets volants, hachette et casse-tête, une salle d'armes pour réarmer les esprits. Dans l'aile droite, également des papiers, essentiellement des portraits, accrochés de façon à former un mur de téléviseur, comme ceux contemplés par les génies créatifs et les maîtres machiavéliques. Des vidéos viennent compléter le dispositif. Ainsi, des mots et des choses pourront peut-être jaillir une étincelle
pour mettre ce soir le feu à la chaise de Van Gogh, nous réchauffer et nous donner le cœur d'enfanter un nouveau monde.